Coucou mes petits hérissons, c'est ça, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour la suite de nos aventures et pour du coup l'épisode 32 de Divinity Original Sin 2. On va aller explorer du coup le côté qui se trouvait par ici et on va bien voir ce qu'on va trouver. Donc on va continuer à avancer. Oh là, c'est quoi ça? Des pillards du cercle noir possédés, magister blanc et magister chevalier. Mais c'est des magister blancs et là il y a moins de transformés en armes. Ça sent mauvais de ce côté-là. On va aller voir vite fait ce qu'on trouve en fait de l'autre côté. Et on va voir s'il y a encore des magisters. En plus, j'ai même pas regardé le level qu'ils avaient. Enfin, j'ai pas fait attention plutôt. J'imagine que je pourrais les aider. Anéant mon vampire. Bon allez, on va les aider. Ah. Ah, j'ai mon son qui a fait des trucs bizarres. Et toi? J'aimerais bien essayer d'aller là-bas. Voilà. Donc là, c'est à nous. Piquer du phoenix. Hop, on va se téléporter là. Nécroflamme, pof. Invocation d'élémentaire. Et là, insufflation de puissance. Boum, 333. Boum, 333. Il est presque mort. Éventuellement, on va les laisser se démerder. On va faire déjà un vent favorable pour se déplacer. Et bah, ça va être à peu près tout pour le moment. Fin de tour. Toi, défonce le vampire parce que le vampire c'est celui qui fait le plus chier. Yes! Oh, on a vraiment eu de la chance. Je pense qu'il se serait fait défoncer, mais bon. Ah, il y a un autre néant vampire! Rejeton de néant en armure. Il est mort? Non, il est pas mort. Ouh, c'est qui est mort? D'accord, lui, il est bientôt mort aussi. Ouais, ça coûte moins cher de se déplacer comme ça. Boule de feu! C'est ta soeur. C'est ok. Boule de feu. Enfin, c'est plutôt des flammes. Comme ça, ça soigne en plus notre gros. Et on va lui infliger la double vue. J'ai pas fait attention, mais il est toujours en vie en fait. J'hésite à les buter. Mais vraiment, j'hésite à les buter du coup. Je
peux pas m'en servir. Bon bah tant pis. Ouais bah ils sont quand même coriaces, ils sont level combien? 13. T'as pas d'utilité toi, laisse-les. On va passer. On va les laisser s'en occuper. Je sais pas si on va gagner de l'XP au final s'il meurt. Non, on gagne pas d'XP, donc on va les buter en fait. Ça c'est ok. Là c'est bon. Et ben, on va faire cette insufflation là. Et on va bien voir. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. C'est pas grave. Haha, t'as loupé. On va l'attaquer. J'aimerais bien essayer de le défoncer. T'es sérieux, manqué? Bon, endors-le. Bon, toi, tu sers à rien. Et toi, bute-le d'ici. Si tu peux. Non. C'est bon. On l'a eu. Les magisters essuient son visage, maculé de sang, avec un bout d'étoffe crasseuse tout en marchant dans votre direction. Il s'arrête à quelques pas de vous et vous dit visage d'un air méfiant, la main sur son arme. Et vous êtes... vous inclinez et lui dire que qu'on vous envoie ici pour soumettre ces ruines à votre expertise éclairée. Ouais. Échec de la tentative de persuasion. Ok, bah moi non plus, j'avais pas nettoyé ma lame et vous êtes en fâcheuse posture. Enfin, fâcheuse posture, pas si tant que ça au final. Lame corrompue. Non, toi t'es pas intéressant au final. Ah, ils se sont déplacés tous, les salauds. Pouf. Ah, ça c'est, ça m'arrange pas là. Ça c'est fait. Contre-coup, téléportation. Merde, c'est où? Je suis perdu. Bah non, bah on va pas le faire, ça sert à rien. Yes! Ça c'est pas mal. Et passe ton tour. Ouais, passe ton tour. Du coup, toi, Los. Fais une restauration. Hey. Non! Non! Putain! Shit! C'est pas ça que je voulais faire. Ah, j'espère qu'il va pas mourir. Ah ouais, 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 c'est la merde. On a combien? Euh...
Non, on va pas faire ça. On va faire handicap sur lui. J'ai pas fait gaffe à ça. Ah, je me sens con. Et je sais pas ce que j'ai fait comme connerie non plus ici. Il est où le guerrier? On va se mettre invisible. Non! Meurs pas. Normalement, t'as plus. Ouais, au prochain tour, tu devrais être bon. Tu devrais être soigné. Bah attends, est-ce que je peux pas te faire. Ralliement. Sur toi, s'il te plaît. Pas grand-chose, mais un peu, quoi. Ça, c'est fait. On va se téléporter là. Parce que là, du coup, au moins, on va être protégé. Non, bah, c'est tout. On passe un tour. Ça sert à rien. Donc, c'est à nous. Bah, let's go. Manqué. Non, mais sérieusement, manqué. Rupture des tendons, comme ça il va pas bouger. Là, y a que lui vraiment qu'on a besoin, mais j'ai pas le choix. Non! Ça a pas marché! Ok. Nickel. Ouh. Ça l'a fait. Et bah tu sais quoi? Ça fait quoi? Décroche une flèche qui passe à travers des ennemis. Ouais bah on va l'utiliser sur toi. Hein. Pouf. T'as vu les dégâts que ça t'a fait? Yes, il est mort. Il a voulu me tuer, et ben je me suis vengé. Nickel. Ah, mon guerrier est disparu. Attention. Ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. J'ai confiance. Un de moins. Ah non, il est pas mort. Bon, au prochain tour. J'ai vraiment, mais franchement, j'ai hâte de voir, mais juste éventuellement, combien. Combien je peux éventuellement leur faire de dégâts quand j'aurai mon invocation qui sera encore plus grosse. Mais j'ai vraiment envie de le continuer à l'augmenter du coup. Moi je m'en suis toujours parmi hein. Ok, là. Il subit tellement de dégâts, le pauvre. Et ben voilà les gars. Petit soin. On va monter. Par contre ça va m'emmerder. Hein. Donc on va cramer ça.
Mon gros machin qui peut monter. Ok, donc qu'est-ce qu'on a sur éventuellement les magisters? Que dalle. Sur le magister Dreary, vague de poison. Ok, et un bâton non identifié. Plus un journal de foule et une clé de l'armurerie de la grotte des magisters. Ok. Le guetteur est mort. Celui-là aussi. Final, je prends pas les bonnes choses avec la bonne personne parce qu'après ça va me faire chier. Voilà. C'est plutôt bien, on a déjà pas mal fouillé la zone. Là, il y a un coffre. Mais déjà, avant de partir, on va cliquer sur se re-reposer pour que tout le monde soit soigné. Et on va essayer d'utiliser ça. Il s'agit bien de ce que Dalice cherche, recherchait alors qu'elle a. Ouais, et bah moi aussi je me demande ce qu'il y avait dessus. Mais ça doit sûrement pas être bon. Il y a un truc par là-bas. Ouh, il y a de la source. Crochet. Crocheté, je veux dire. Ouais, bah de l'or, c'est toujours ça de prix, hein. Et ça, c'est quoi? La voix et le pèlerin. Que dalle. Bien évidemment, nous l'avons emballé avec soin et envoyé sans attendre à Dalice. Ok. Donc en gros, c'est Dalice qui l'a trouvé, qui l'a. Et ça, c'est un bâton de flotte qu'on va envoyer à notre cher. Ah, trop bien, on peut envoyer les machins comme ça. Ça, je savais pas. Donc, ça veut dire que ça va être vraiment plus rapide. Pilier mystérieux. Bah, tiens, on va l'utiliser. La relique de pierre pèse tout son poids sur votre conscience. Vous sentez une faim séculaire. Tendre la main et toucher la relique. Mais vous sentez également le couvre. Ok. Je pense qu'il faut, il doit y avoir des reliques un peu partout et il va falloir les activer. Je sais pas pourquoi, mais moi c'est mon pressenti, mon ressenti plutôt. Ça va être un peu plus français. Est-ce que je peux... Ah! Je savais bien que... Je me doutais bien qu'on pouvait l'utiliser, cette connerie. Ouh, bah ça on l'a déjà. Casque léger, on s'en fout. Quoique, on va regarder. Et le journal, l'appel, on s'en fout aussi. Donc on va regarder le journal, tiens. Aujourd'hui, j'ai vu une vive lumière bleue. Elle m'a parlé. Je me suis tourné vers mon ami. Bref. Qu'est-ce qu'on apprend de... Que d'étranges événements. Est-ce que je vais essayer de 27-45? 27-45, non. Je vais essayer, tiens, d'utiliser la... Pas la bénédiction, on va reprendre Seuil, la vision. On va l'explorer par là. Et là, il y a quoi? Loupe d'identification. Il y a une pelle. Il y a des boîtes, il y a des... Là, sur la tablette. Là, sur les... Ok.
Les deux facettes de la tablette sont couvertes d'inscriptions runiques qui semblent avoir été grattées et rendues illisibles à l'aide d'un burin ou d'un autre outil similaire. À l'instant où vos doigts effleurent les runes multiplées, vous fermez les yeux inconscients et voyez le visage, le vide, vaste, obscur, insondable. On va garder le silence. Vous sentez peser sur vous le regard d'une entité antique qui vous scrute comme un gardien de prison, fixant des yeux une fourmi perdue sur le sol d'une cellule. Du fond du vide sans fin, une voix se fait entendre pour vous appeler Adéide. Vous décelez une certaine marque d'intérêt dans la voix glaciale et derrière cet intérêt, des crocs, une faim dévorante, un appétit sans fin que rien ni personne ne saurait rassasier. Voyez votre vie défiler devant vos yeux, chaque souvenir bruissant furtivement comme un oiseau. Ok, la vision revient au moment présent et se déploie en un nombre incalculable de chemins comme autant de possibles. Votre crâne résonne douloureusement sous les assauts de l'intelligence qui passe frénétiquement en revue votre futur potentiel. Voyez le salut et la destruction et toutes les nuances de l'existence qui oscillent entre les deux. Et soudain, tout s'arrête. Les ténèbres reviennent et il ne reste plus que l'obscurité éternelle et vous. Ok. On peut pas la prendre. Ah, un cadre, on va le prendre. On va fouiller avec lui parce que... Par contre, attendez. Nous avons retrouvé une étrange tablette couverte de runes. Quand nous l'avons touchée, nous avons eu l'impression de nous retrouver dans un lieu vide, infini et d'une noirceur totale. Là, une voix nous a dit ok. Une offre. Ok. Il y a des flèches, je sais pas si ça sert à quelque chose, mais on va les prendre. Sans trop savoir comment ni pourquoi vous comprenez ces mots de manière instruite, quelqu'un devra se lever, quelqu'un d'unique. Puis, vos doigts se glacent. Je présume qu'ils nous disent la même chose. Découvert une étrange tablette couverte de runes qui semble luire de l'intérieur. Quand nous l'avons touchée, nous avons ressenti une puissante énergie nous envahir et sans pouvoir nous expliquer comment nous avons compris que cette inscription était du rivélonien ancien. Une phrase s'est alors imposée dans notre esprit, quelqu'un... Aussi vite qu'elle est venue, un pouvoir ancien est à l'œuvre ici. Ok. Il y a un coffre là. Bon, des potions. Des conneries. C'est tout par ici. Hein. On va essayer de parler peut-être aux fantômes. Peut-être que les fantômes vont m'apprendre quelque chose. Le rat peut-être. Attends. Quand je ne sais pas quoi faire, j'aime composer les vers. Celui-là parle d'un oiseau, mais je ne trouve pas bon... On va lui dire ça. Ce n'est pas du tout ce que j'espérais. Je vous dis adieu si je vous le permettez. Ok, on va essayer de recommencer avec lui. Lui dire que vous avez vu un chat rôder ici tantôt. On va dire ça. Putain, mais... Il commence à me saouler. Je vais essayer chaque réponse, bêtement. Pas du tout. Et ouais, bah, attends. Ouais, bon... C'est bon, ça m'énerve.
Le souvenir. Ok. Vous êtes une sensorielle, sourde et muette, mais dotée d'un talent surnaturel. Dallys s'empare de vous et vous emmène ici, dans les ténèbres, après avoir ôté le bandeau qui vous couvrait les yeux. Le marteau vous ordonne de trouver un pouvoir caché et de le libérer. Ok. Vous la pointez du doigt et ouvrez les yeux. Le marteau. Avant de reculer, donc, alors, vous refermez les yeux, le réceptacle se met à chanter pour vous. Vous tendez la main et il s'ouvre au contact de vos doigts. Vous saisissez l'épée qu'il renferme, vous la soupesez. Elle est aussi légère qu'une plume, mais semble pourtant habitée par un très grand pouvoir. Ok. Une lame effilée, le sang coule avant que votre main. Ok, Dallys l'a buté en gros. Si j'ai bien compris. Votre fin approche en sorceleur. Aussi sûr qu'elle est venue pour eux et pour moi, Vregman a dirigé les travaux d'excavation de la main de maître. Bientôt, Dallys utilisera l'Aetheran sur vous et vous pourrez vous alors dire adieu à votre sorceleur. Ok, c'est un con. Donc, et c'est tout. Lateral. Donc, on sait pas ce que c'est. Et là, on a appris que c'était machin qui dirigeait les fouilles ici. Ok. Bah, d'accord. Oh putain. Pas mal d'or. Et du coup, bah du coup, on n'a pas trop le choix. On va aller s'occuper du coin là-bas. Au final, il n'y avait pas grand-chose par ici. Donc, on va faire vite fait une petite sauvegarde, écraser. Oui. On est comment ? On est à plus de la moitié de l'XP. Et là, ils sont level combien ? 13. D'accord, je pense qu'ils essayent d'ouvrir la porte. Et qu'ils y arrivent pas. Non, il n'y a personne qui est apparu. Donc on va... Je vais juste prendre Soy tout seul pour le moment. Et on va l'envoyer. Le magister vous détaille fort froid. Enfin, vous. Oui, c'est ça. De la tête aux pieds. Vous n'avez rien à faire ici. Ok. Lui montrer le laissez-passer de Raymond en disant que vous avez parfaitement le droit d'être ici. Ah bah tiens. The magister slowly shakes her head. To her, that writ might as well be your death warrant. Intruder! Ah putain! Ok, bon, on va essayer de se re-téléporter par là-bas. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Ok, donc ça c'est fait, tiens. On va juste regarder ce qu'il y a par là. Donc lui, on s'en fout. Elle est... Ouais. On va essayer de l'utiliser, tiens.
Vous entendez une série de claquements métalliques. Examinez le levier vert, on dirait un mécanisme de libération du pétrole, sans doute utilisé en dernier recours. L'actionnez. Bon, ça a pas marché. Tant pis. Tant pis, ça a pas marché. Tant pis. Lui. Oh, il est résistant. Bah, tiens. Hop, ça, ça va être ok. Et toi, los. Va par là. On va se mettre là. Toi, tu vas me faire vite fait. Ah merde, je peux faire ça que en... Bon, de toute façon, fallait lancer le combat. Ça, éventuellement, je pense que ça peut être intéressant. Ah non. On va se déplacer là. Nickel, on est plutôt bien. Un petit vol au cas où. Ça sert toujours. À toi. Ça fait quoi ça du coup? Ça fait... Voilà, là ça devrait être pas mal. Mais pourquoi ça cible qu'une seule personne? C'est moi qui comprends pas ou je sais pas, il y a quelque chose. Il y a quelque chose que j'ai pas dû capter là, par là. Ah si, en fait ça a attaqué sur tout le monde. Je sais pas trop par où le... s'il faut le mettre ou pas ça. Je pense qu'on va le faire. Non, bah tiens. Ça c'est plutôt pas mal. Et là, du coup on va faire ça comme ça. On va y avoir. Ce serait bien qu'il rentre dedans. Yes! Ah non, pourquoi tu l'as pas attaqué? Oh putain, c'est tic! Oh là là, t'as fait mal toi! Ça c'est ok. Toi on s'en fout. Toi, on va t'orienter. Moi perso je vois un gros machin comme ça mais je balise. Yes, on peut avoir les trois. Pourquoi je l'ai pas eu? Je pensais les atteindre. Bon bah tant pis, c'est pas grave. De toute façon, c'est fait. Magister blanc. Ah d'accord.
pas très grave ça. Ouh, Sisoy, il a subi quelques dégâts. Bah, on va s'occuper de soigner tout ça. Et bah, eh, franchement, si ça, c'est pas ce qui s'appelle faire un bon combo. Pof! Non, là c'est pas intéressant. Tac. Je sais pas où qu'il est d'Alice. Invoque-moi le totem ici. Ça, c'est à toi. Contre-coup de ce côté-là. Et... yes, c'est plutôt pas mal. Coup critique. Oh oh. Eh, t'es bientôt mort, mec. Ok, c'est à nous, c'est à nous. Soy. Rituel de guérison. Tout le monde est content, tout le monde est soigné. Téléportation, toi. Ici. C'est très bien, comme ça elle va subir quelques dégâts. Oh! C'est bon. Ah non, il est renversé. Je sais pas si je vais toucher plusieurs cibles avec ça. Oh yes, on l'a eu lui. Tac 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 tac. On va essayer d'avoir le tir basilistique avec lui là. C'est bon, il est mort. Au final, j'aurais peut-être dû viser lui. C'est pas grave. On va faire provocation, j'espère qu'il va me... ah, bloqué par l'armure physique. Merde, j'ai pas fait attention à ça. Lui, il devrait mourir au prochain tour. Ah non, il a plus de brûlure. Et merde, moi qui pensais le buter. C'est fait, passons. Eh, arrêtez de toucher Il a rien fait, Fane. Tant de méchanceté pour un si petit homme. Allez, hop. Gel, comme ça tu ne m'emmerderas plus. Faire une armure à Fane. Pof! Allez, 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 résiste un peu, toi. Déjà, il va me falloir un premier secours. Déjà, c'est obligé. Une fortification. Et ça, c'est ok. Bon, on n'a pas trop le choix, faut qu'on va aller l'aider. Ah, bon.
Ah, vampirisme. Et elle soigne. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Bah, tu sais quoi? Tu vas crever. Ah, j'ai pas fait attention à ça par contre. Tiens, on va se déplacer là. Ils vont rien voir ni comprendre. Pof! Eh, heureusement que j'ai encore un peu d'armure. Donc là, c'est à l'os. Qu'est-ce que tu vas me faire? Tu vas me faire peut-être une puits de grelon là-bas ou. Ah, tiens, une puits de grelon là-bas. Coup de froid. Et ça va être tout. Ce qui m'embête, c'est que je vais le buter. Bon, enfin, ça m'embête. Façon de parler, hein. Pof. Pof. Allez, rattaque-moi encore un coup. Et ça, c'est quoi? C'est tourbillon. Ah, c'est pas bélier. Donc on va se déplacer par là-bas. On va balancer la boule de feu déjà. Bon. J'ai l'impression qu'aussi la boule de feu, elle est largement plus grande qu'avant. Ok, donc ça c'est fait. Toi. Comme ça, ça va être fait aussi. On va l'avoir petit à petit, hein. Et là, couteau à dents. Oh non! Ah! Immunisé contre le sommeil. Et toi, tu t'es barré là-bas. Au moins, ça va le buter. C'est pas spécialement, on va dire, très optimisé, mais bon. Et toi, mec? Mais tu vas te faire one shot. Enfin, one shot. Pof! Totem de sang. On va se déplacer que de deux pas. Est-ce qu'on peut se réavancer un peu? Ça sert à rien de trop s'avancer, ça sert à rien. Oh, surtout qu'en plus il va mourir. Et eh bah ben, c'est bien, le combat s'est plutôt bien passé. Allez les gars, mince. Bon, du coup, tout ça a été fait. On va lui parler. L'esprit d'un magister blanc vous offre un arme. Fichez-moi la paix, maudit encenseur. Et j'ai exigé de savoir ce qui se passe. Si elle refuse de vous dire tout ce qu'elle sait, vous absorberez son esprit et condamnerez. Ouais, on va lui dire. Comment? Non, attendez, je vous dirai tout. On nous a ordonné d'abattre le mur. Il pensait qu'il y avait d'autres choses à trouver de l'autre côté. C'est tout ce que c'est, je le jure. Sourire et la remercier, en ajoutant que vous ne pouvez pas absorber les esprits. On va lui dire ça plutôt. Waouh! Pop pop pop. On va ramasser tout le stuff que tout le monde a. Et j'ai l'impression qu'il y a pas mal de stuff intéressant.
y en avait un qui était là. Livre huileux. Ok. Comme ça, là, on pourra passer tranquillement après. Et là, qu'est-ce que c'est? Compte. Ah, il y a quand même un mec à récupérer là-bas. Donc, on va y aller. Rien d'intéressant. Et bah là, c'est pareil. Ok, donc, par contre, Soy, il a récupéré quelque chose de... peut-être, ouh oui, intelligence, constitution. Par contre, on a un nettoyage de blessures de groupe qui disparaît par... et on a plus d'emplacement. On a deux emplacements d'orbes et ça, ça peut par contre être plus intéressant pour ouais. Et on avait un truc de chasseur. Donc ça, en plus, ça va plus lui correspondre à la petite. C'était danger, je crois. Et magique. Qu'est-ce qu'on peut lui mettre? Il a déjà de la résistance au feu. C'est quoi ça? Résistance, dégâts d'air. Sélectionné. Donc là, on est passé à 38%. Et on peut avoir plus d'armure physique. Ouh. Ou ça qui peut être intéressant. On passerait de 818 à 818 à 828, c'est tout. Ouais, non, c'est pas intéressant. Plutôt la truc de pierre qui pourrait être intéressant. Autrement, poison. On passe à 55% de résistance au poison. Ça peut être intéressant et on résiste au feu en plus, pas mal. Ouais, ça peut être pas mal intéressant. Donc on va rester sur ça. En plus, Soy, il commence à être... Ah, c'est ça sa nouvelle armure. Elle est stylée, hein. Franchement. Il y a juste le casque qui est dégueulasse. L'armure, je la trouve vraiment stylée. Manteau de magister. Tac, donc ça a été fait. Du coup, il nous faut ouvrir la porte. On va voir si on va pouvoir ou pas. Mur en train de s'effriter. Ouais, je pense que... Je pense qu'il va péter exprès, quoi. C'est fait exprès, quoi. On va attendre. Oh, comme par magie, le mur a pété. Et du coup, on est dans une pièce bizarre. Maintenant. Temple ancien. Ça a pas mal évolué, du coup. Non, on n'a rien eu. Par contre, petite sauvegarde des familles. Et on va s'arrêter là. Épisode qui va durer un peu moins longtemps que prévu. Et on s'occupera d'aller explorer le temple ancien. Parce que je pense qu'il y a quelque chose à faire. Peut-être un boss, j'en sais rien. Peut-être pas. Peut-être que ça servira à rien. Mais au moins, on tease. Allez, je vous fais des bisous. Je vous dis du coup à très vite. Merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. Et je vous dis... Bah oui, bah du coup, je vous l'ai dit à très vite. Allez, ciao, ciao. C'était Soy. Merci encore.